Je suis peut-être né avec un crayon à la main. J'étais pas musicien, j'étais pas comptable ni rien, j'étais sculpteur. Je n'ai pas représenté d'ailleurs que des animaux, j'ai représenté aussi des grandes scènes avec soit plein d'animaux, soit plein de personnages. C'est la matérialisation d'un rêve finalement. Le rêve de donner vie à quelque chose qu'on a dans sa tête. N'essaye pas de représenter un ours tel qu'il est avec son caractère. Quel que soit l'animal, je fais tout l'ensemble. Vraiment, c'est à la fin qu'en amenant les détails sur les yeux, sur le museau, tout ça, que pourquoi j'en sais rien, ça prend vie. Un artiste ou quelqu'un qui se prend pour un artiste, c'est pas lui de parler son œuvre, c'est l'œuvre qui fait l'artiste, c'est pas l'artiste qui fait l'œuvre. À la fin d'une vie, on peut considérer devant l'ampleur du travail qu'un individu était peut-être un artiste et de toute façon qu'il va laisser une œuvre. C'est l'œuvre qui est la publicité de l'artiste et non pas l'artiste qui est la publicité de son œuvre.